Je suis Maria Bokoum de Maria Bokoum Couture, auparavant appelée Péché Mignon. J'ai 48 ans, je suis mariée et j'ai 5 enfants, dont 2 jumeaux. À la base, Péché Mignon, c'était un institut de beauté. Et au bout de quelques années, nous avons décidé de nous lancer dans la couture, parce que la couture a toujours été mon péché mignon. Mais je me disais que c'était un secteur pas toujours accessible. Donc je voyais des grands comme Alpha Di, Gilles Touré, Pateo. Je me disais que pour moi, c'était impossible que j'intègre ce milieu-là. Mais avec le soutien de ma famille, l'encouragement de mes parents, de mon mari, j'ai acheté une machine que j'ai mise dans un coin de mon atelier et j'ai commencé tout doucement. Déjà parce que toute petite, à l'âge de 17 ans, on m'a présenté à un certain Chris Elou, qui est quand même l'icône de la mode africaine. C'est celui qui a fait connaître mondialement notre Bogolan. Et c'est le précurseur de la mode africaine. Alors, au décès de Chris Elou, moi, je suis partie en Europe faire des études de culture et communication. Je suis revenue au Mali en, je ne me rappelle plus, quelques années après, et j'ai ouvert les Péchés Mignons. Et donc, les Péchés Mignons, c'était d'abord un institut de beauté. Et comme je ne suis pas esthéticienne ou coiffeuse ou quoi que ce soit, j'étais juste la gestionnaire, je n'étais pas épanouie. Donc j'ai décidé d'acheter une petite machine. J'ai fait venir un couturier d'Abidjan. Et on a commencé à travailler tous les deux. Pendant un bout de temps, les gens commençaient à s'intéresser à tout ce que je portais. Et donc, j'ai acheté une deuxième machine, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Et on a réussi à agrandir la maison. Au début, nous avons rencontré des difficultés, notamment l'approvisionnement en matières premières, c'est-à-dire en tissu de qualité. Et malheureusement, le problème ne s'est pas résolu pour tout le monde. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est quand ma sœur m'a demandé de faire le stylisme de son tout premier clip, French Cancan, à Paris. Et je pense que le succès est venu de là-bas, en fait. Et là, je crois que c'était en 2011 ou 2012. Et ensuite, il y a eu pas mal d'artistes qui ont fait appel à moi, comme Salif Keïta, Oumou Sangaré, Ségouba Bambino de la Guinée, il y a Soumbil de la Côte d'Ivoire, il y a aussi Milmo et... Il y en a que j'oublie là, je suis désolée. Alors, je dirais que je ne me prends pas trop au sérieux. Je fais ce que j'ai à faire. Je sais que j'ai du talent. Je fais mon travail comme je peux avec les moyens que j'ai. Je voudrais dire aux jeunes de persévérer, de se former. Moi, je n'ai pas fait de stylisme à l'école. Mais même au jour d'aujourd'hui, moi je fais une formation sur l'entrepreneuriat de la mode. Il ne faut jamais s'arrêter de se former, c'est très important. Alors s'il y a des jeunes qui veulent m'approcher, je suis accessible à tout le monde. Ils le savent d'ailleurs pour la plupart. Je suis là, qu'ils viennent, on discute. S'il faut faire un petit stage, ce sera avec grand plaisir, ou les collaborations. Je suis là pour tout le monde.